La transition, le mec il vit Zelda quoi. Il vit Zelda en ce moment, il joue qu'à ça. Il ne joue qu'à ça. On est un streamer professionnel. On change la catégorie du stream. Ah, internet bug. Non, je vous vois encore pourtant. Je peux pas changer la catégorie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez, saute. Oh, on va se calmer. Alors, Breath of the Wild. En mode expert. On va jouer une petite heure. On va se faire plaisir. Je peux pas changer ma tag... Ma... Pardon. La catégorie du stream. C'est un peu con. C'est un peu con. Ça arrive. Hein. Bah c'est con, je peux pas mettre Breath of the Wild. Bon, bah écoutez. Alors où est-ce qu'on en était? Oh, ça fait bizarre, la Wii U est tellement plus grosse que la manette Switch. Où est-ce qu'on va? Oh là là, je confonds toutes les touches. Ça fait très bizarre en fait de repasser un autre Zelda. Oh putain! C'est bien ce qu'il me semble, il y en avait un là. Ouais. Alors, pour rappel, on est en mode expert, hein. Ceux qui n'étaient pas là hier. Les mobs font plus mal, sont plus résistants, ont une régène de vie. Les armes se cassent plus vite, bref, y a rien qui va. Y a rien qui va. Merde, j'ai écrit expert. C'est expert. Et zéro death depuis le début. Effectivement, on n'en parle pas assez de ça, messieurs, dames. Zéro death. Ah ouais, non, c'est marrant. Il veut pas changer de catégorie. C'est un peu con. On est mort zéro fois. Ceux qui étaient là hier peuvent confirmer. Ça fait vraiment bizarre là, de passer à cette manette-là, elle est toute petite. Je suis avec la manette pro, hein. Alors attendez, est-ce qu'il y a... Il y a un coffre. Mais je crois qu'il y a toujours des coffres de toute façon. Ah. Ça sert à rien d'avoir ça en fait. Oh putain. No hit pour l'instant, effectivement. On a toujours 3 coeurs, hein. Ça c'est pas fou. Salut Gigotech. Ouais, c'est un peu chiant qu'on puisse pas changer la catégorie, pardon. C'est pas grave. Ça c'est compliqué, hein. Le Y là c'est pour taper. Ah c'est compliqué, hein. Enchaîner deux Zelda différents. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez! First try, GG, merci à tous. Ça me fait bien plaisir. Je sens que ça va être tout pourri ce qu'on va avoir dans le coffre. On fait encore des efforts pour rien. On va voir. Après, peut-être qu'on est mauvaise langue, ça se trouve c'est un truc de ouf. Une arme surcheatée. Ah oui, non, c'est très bien. Ah, j'avais oublié qu'on l'avait ici, le bandana. Très bien. Je ne ressemble à rien. Je ressemble à rien. J'avais oublié qu'on l'avait ici, le bandana.
Ça va nous servir, ça, c'est cool. Salut Edouard. Ça va nous servir. Ok, encore un pour monter de deux cœurs. Ah, ce rouge, il m'avait pas manqué ce rouge. Il fait mal à la tête. C'est quoi le prochain tech? C'est Dora 3, demain. Et attention, la dernière fois que j'ai dit demain, on me croyait pas, et au final, on a eu Sonic. Hein. Attention. En vrai, Ah oui, non, j'en ai... Non, j'en ai pas beaucoup des flèches, je vais pas faire le con. Je pense que dans ce mode, en fait, le mode expert, il faut pas hésiter à passer les mobs. Malheureusement, parce que j'aime bien casser des gueules, mais... Ah, il y en a un autre? Parfait. Là, demain, c'est le DLC d'Undertale. En tech? Ah ouais, trop bien. Source? Source, t'inquiète, frère, c'est vrai. Alors, ce serait simple s'ils étaient pas bleus. Et si c'était rouge. Non, c'est parce que. Mais là, à mon avis, ils vont résister au coup. Hein. Comment on va faire? Ah ouais, puis en plus, il y a un bocau bien noir. Bon, de toute façon, la solution, ça va tout simplement être de les pousser dans l'eau. Ça va être très simple. Ah, très bien. Ok, il y en a un qui est parti dans la flotte déjà. Il y en a deux. Comment on va faire? Faut que je me débarrasse de lui. Hein. C'est le meilleur. Ok, il est dead. Il y a un archer. Oh les dégâts! Compliqué. Ouh, alors lui il est énervé lui. Non mais... Easy. Bon par contre, on a perdu toutes les armes, c'est ça? Est-ce qu'il y a moyen de récupérer toutes les ressources? Oui, et ce qu'il me faudrait aussi, j'y pensais, c'est l'équipement qui rajoute des dégâts. Il y en a deux. Il y a l'armure de Phantom Hourglass. Et il y a l'armure sauvage, là, de ce jeu. Je sais plus comment elle s'appelle, mais... Il me les faut. Parce que là, on n'enlève rien. On est un peu nul. Ah oui, non, mais le mode expert, c'est une promenade de santé, messieurs, dames. Ah, premier boomerang. Adieu. Comment on s'en sert déjà? Faut le rattraper je crois. Ouais. Ça peut être sympa. C'est dans les labyrinthes les armures barbares. Ouais ouais c'est ce que... C'est ce dont je me rappelle. Oh merde il y avait les petits oiseaux, j'aurais dû les tuer. Ah oui donc il y a bien un relais ici. Ça c'est marrant mais... Dans mes souvenirs c'était le premier relais du jeu et je ratais tout le temps le relais qu'il y avait plus loin là-bas. Qu'on a trouvé plus tôt. Bon, on pourrait sauter de plus haut, mais on va pas se prendre la tête. Voilà. Easy.
Il l'a jeté comme des chaussettes. Exactement. Aucun respect. Je m'en fous. Je m'en fous de la batte Boko. Bon, 13 noix Korogu, ça va. On a presque les 900. On y est presque. Ça ira. Suivre la voie de l'eau. Labyrinthe, tu triches, tu utilises le pouvoir de Revali et Izzy. Tu peux pas l'utiliser dans les labyrinthes. T'as pas le droit au pouvoir des champions dans les labyrinthes. Par contre, si tu parles des autres créatures divines, oui, on peut. Ah. Ah, on peut utiliser les pouvoirs des champions dans les sanctuaires? Marrant, je m'en rappelle pas. Dans mes souvenirs, c'était désactivé. Mais effectivement, si on peut, bah, je les utiliserai pas. Avoir le pouvoir de Revali là-dedans, ça me semble un peu cheaté. Salut Mister Adrien, bon app. Et oui, aucun respect, t'as jeté la batte Boko comme une chaussette. Comme les Boko blins que t'as gelés et jetés dans la lave chez Ganon. Oui. On change de jeu, mais on garde les bonnes habitudes. Pas les sanctuaires, les dédales. Ah oui, non mais moi je parlais des sanctuaires. On peut pas utiliser les pouvoirs des champions dans les sanctuaires. Je parlais bien de ça, moi. Merde, j'ai pas vérifié si on avait un coffre. Parce que vous me parliez de quoi, du coup? Parce que Revali dans les sanctuaires, moi, en 300 heures de jeu, je me rappelle pas l'avoir utilisé. Hein. Vous parliez de quoi? Les dédales? C'est quoi les dédales? Parce que moi, quelqu'un me parlait des sanctuaires. Hein. Mais je me suis peut-être trompé de mot, mais oui, moi je parlais bien des sanctuaires. Donc ça là, ce dans quoi on est actuellement. Oui, parce que je me disais, c'est bizarre, je me rappelle pas avoir utilisé les pouvoirs de Revali ici, ce serait beaucoup trop simple. C'est pas bien là. C'est pas bien. Effectivement, on avait oublié un coffre. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Petite pièce d'équipement, s'il vous plaît. Ah non. Ah, ça y est, ça me rappelle les rubis argentés de tout à l'heure, tiens. Nice. Ils sont dans les labyrinthes? Non mais quand vous parlez des labyrinthes, vous parlez des labyrinthes qu'il y a en extérieur, à la surface. Vers le nord. Au nord d'Akala et au nord de... chez les Piaf. Oui, là on peut utiliser Revali, oui. Ah si j'ai dit labyrinthe, je me suis trompé, je voulais dire les sanctuaires. Les shrines. Mais effectivement, Revali sur le labyrinthe, c'est totalement fumé. On est bien d'accord. Ce qu'il y a là-bas, là. Dans mes souvenirs, il y en a un là. Il y en a un autre ici, ouais. Raison de plus d'avoir Revali. Ah, il y en a un autre chez les Gerudo. Ça, j'avais oublié. J'avais oublié le troisième labyrinthe. Ça remonte à il y a quelques années, hein, quand j'ai fait Breath of the Wild en entier. J'y ai rejoué il y a quelques semaines, mais genre, j'ai pas dépassé le village Cocorico. En plus, j'y ai été en mode à la One Again. Genre, la moitié des shrines qu'on vient de faire, je les avais pas fait. Merci. Merci, madame.
Ah bah le voilà notre pote. Non, je compte pas acheter Splatoon 3. Ça m'intéresse pas vraiment. Et ça n'a pas réussi à m'intéresser. Donc je... Non, clairement, pas Splatoon 3. C'est vraiment une série qui arrive pas à me... T'as des séries comme ça, t'as pas le feeling. Sans y avoir joué. Il est buff, Terry. Ah là, mais... Il a pris, là. Hein. Ah forcément, là, il marche avec du poids sur lui. C'est autre chose que se toucher la bite dans un bateau. Hein. Ça travaille un peu plus, là. Prisen. Oh putain, il s'appelle Prisen. Oh mec, je suis tellement triste pour toi. Pois sirène, quoi. Qu'est-ce que t'as, toi? Déjà, on va baisser d'un ton, on va se calmer. Ah oui, alors c'est eux qui t'indiquent qu'il y a un trésor si tu suis le cours d'eau. Ça, c'est marrant, mais ça, je l'avais fait carrément après tous les donjons. On pourrait avoir un sondage Terry vs Tingle. Ah non, mais on sait qui va gagner, c'est Terry. J'aime beaucoup Tingle, mais bon. Un amateur. Allons bon. Bah première console. Bah la première console auquel j'ai joué, c'est la NES. Mais la première console qui m'a appartenu, qui a été qu'à moi, c'est la Game Boy Color. La violette transparente, messieurs dames. Avec Pokémon bleu. Et rouge d'ailleurs. Mais la première auquel j'ai joué, c'était la NES. Et quelques heures après, j'ai joué à la Super NES. C'est le demi-frère d'une cousine d'un descendant d'un des hommes de Lambda qui me l'a dit, d'accord. C'est... Ça va, bonne source. C'est lui qui a lancé la rumeur de la Switch Pro, en fait. Allô? J'entends un Korogu. Oui, d'ailleurs, priorité, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on aille chercher le masque Korogu. C'est la priorité. C'est quoi ce bruit? Ah, j'ai entendu un... Ah bah, d'accord. Il y a une étoile filante. Qui est tombée juste à côté. La chatte. Je suis une victime, la première console à laquelle j'ai joué c'est la PS2. Bah c'est très bien. C'est très bien la PS2. Moi la NES et la Super NES, je vais pas faire le daron, hein. C'est pas du tout ma génération. C'est juste qu'il y avait que ça, enfin il y avait que ça, c'est très bien. J'avais joué à la NES chez ma nourrice. Puis j'avais enchaîné avec la Super NES chez moi. Oh non. Non, protège-toi, s'il te plaît, Link. Ah, merci. Oh les dégâts qui m'a... Ah oui. Ah mais il est pas mort, lui. Non mais tu veux pas tomber, monsieur? Oh! Le bâtard, il a dévié ma bombe. Oh, le sniper, vous avez vu?
Incroyable ce qui s'est passé là. Incroyable le gars. C'est incroyable ce qu'il a fait. Je peux pas le jeter si je nage, c'est un peu con ça. C'est un petit peu con. Terry a gagné. Ouais bah sans surprise. Putain, 81% qui ont repu du Terry. Coup dur pour Tingle. Coup dur. Bon, toi, je t'ai vraiment pas eu, là. Ouais, j'allais dire. J'allais dire. Bon, alors, où est-ce qu'il est, le coffre? Ah, je crois qu'il est au fond. Faut que je le récupère avec... avec Clément. Salut, je suis le coup. Il est là. Ok, peut-être une arme sympathique. Meilleure distance de lancer. Bon. Ouais. Ouais. Je la prends histoire de dire bon, on a ouvert le coffre. Mais bon. Hein, voilà. La pêche à la crocodile Dundee, y'a que ça de vrai. Oh, c'est trèfle, crocodile Dundee. Je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a un coffre? Non, non, non. Tu ne m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Le marteau est très classe, ouais hein. Plutôt sympathique. C'est trop tard mec. C'est trop tard. Ah. Je vais peut-être éviter d'essayer de les contrer eux. Ils font un peu mal hein. Peut-être pas prendre de risques. On va partir sur l'esquive. Oh les dégâts. Bah voilà, on commence à y arriver là. On commence à avoir des petits dégâts. Tu casses des crânes avec cette arme. À mon avis, oui. À mon avis. Ah. Ça va, on commence à avoir des armes qui tapent pas mal en vrai. Hein. Alors Cocorico est par là en fait. On se dirige carrément pas au bon endroit. Dans mes souvenirs, le trésor en question il est là-bas. Ouais, dans mes souvenirs, faut suivre le cours d'eau. Bonjour mon bon ami. Tu vas mourir mon bon ami. Ah mais je l'ai touché. Monsieur Rabbit, je l'ai touché. Ah y'a un sanctuaire ici. C'est fou ça. Serfrousse assassiné. Je dirais même plus son évolution. D'ailleurs je me rappelle plus du nom de l'évolution de Serfrousse. C'est triste. Je l'ai déjà oublié. Pourtant je l'aime bien, hein. En apparence je l'aime bien. Mais il est où? Ah mais il est là. Aïe. Ah il est dans le rouge. Elle est là dedans en fait, il est dans la grotte. Il est là dedans. Putain mais comment on y rentre? Ah. Ah. Serbilin ouais c'est ça.
Monsieur Serbilin. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Ça commence à bien faire. Ah non mais en fait il est pas du tout... Ah non non. Ah il est vers là-bas en fait. Ah oui non mais j'étais complètement bourré. Il est vers là-bas. Par contre il y a l'étoile filante là-bas. Je pense pas qu'on l'aura. On a peut-être pas assez d'endu. Oh là 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 là. Mais quel sniper. Ah c'est pas dans cette forêt qu'il y a... Oh, oh putain. Oh putain. Oh, à l'aide. Ah, sacré boule, hein. Voilà ce qu'on tombe. Je suis pas sûr, hein. Merde. Je peux te voler tes armes? Je t'enlève rien, mon ami. Calme-toi, Jean-Pierre, calme-toi. Ça va bien se passer. Je lui mets une petite balle pour éviter qu'il se régène, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton 1, là? Ah, d'accord, il a pas le même moveset que... D'accord. Je suis un peu déçu, là. Dans les couilles! Ok, midlife. Waterman. Je pense qu'il nous touche une fois, on est mort. Hein. Je te le dis. Ah, parfait ça. Ah bah... Bon. Parfait. Peut-être des armes cheatées là. Oh. Oh. Pro gamer. Un monstre. Ah, c'est bien beau tout ça. Allez, finis sans trop sucer. On va casser les gueules. Alors, ça, c'est très utile puisque ça va leur faire perdre leurs armes. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que là-dedans, c'est dans cette forêt qu'il y a un ours. Qui m'a cassé la gueule. Il est plus dangereux que le comment ça s'appelle? J'allais dire le Stalfos. Le Stalinox. Ah mais on sait plus où donner de la tête là. Là. Ah ouais non mais là, ça y est, on a trop d'armes, ça y est. Regardez-moi ça, regardez-moi ce petit con là. Regardez-moi ça. Meurs. Allez, viens de battre, viens de battre, viens de battre. Tu meurs ou... Tu me dis, hein. Tu nous dis, hein. Tu nous dis. Ça va? Mais du coup... Non mais c'est un articodin ou quoi Non mais monsieur l'arbitre! Monsieur l'arbitre, j'ai perdu 20 flèches! Dans cette histoire. Le mec il a des poils par balle. Ça me touche là. Ça me touche. Je me casse. Ah d'accord, je peux pas du coup pété. Ah, il est assez résistant, l'ours. L'ours qui nous aura plus fait galérer que le Stalinox. Tu pouvais le piloter, oui, je sais, mais bon. Je me suis dit, là, j'avais envie de viande. C'était totalement worse, d'ailleurs, d'utiliser 15 flèches pour deux venaisons fines.
qu'on pouvait avoir sur des serres à côté. Très worse. Super. Sanctuaire de Totoissa. Oh non, non, non. Oh non, non. Oh non. Oh, j'ai pas envie. On a trop d'armes, on a trop d'armes. Ça y est, ça commence, même en mode expert. Non, il est beau celui-là. Lui, il est moche. Le gyroscope, ma hantise. Le fameux gyroscope, on y est. Et encore, ça, c'est pas le donjon le plus dur. Oh là 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 là. Bon, c'est pas très propre, mais ça passe. La catégorie n'est pas mise. Non mais Tati n'a rien écouté. Tati, elle a pas suivi. Elle a pas suivi qu'on a essayé 10 fois de mettre la catégorie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Tati. Ça charge. La catégorie ne fonctionne pas. Je ne peux pas la changer. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Ça vient d'OBS ou de Twitch? Je ne saurais dire. Y a pas un coffre, là? Moi, je suis en train de violer ma manette, là. Ouah, cette référence quoi, on dirait pile les clés pour ouvrir, comment dire, les portes des boss dans Skyward Sword. Tu sais, le mec qui voit des clins d'œil partout. Bou Tati bou. Allez, un truc de ouf s'il vous plaît, allez. Merci. Alors j'ai pas regardé, alors on a tous les coffres partout, c'est bon. Ouais, qu'on en rate pas. Allez! Je ne peux pas changer la catégorie du jeu. Mon mauvais. Je ne peux pas. Ça ira là, first try. First try, regardez-moi ce first try, regardez, regardez. Oh là 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 là, mais le monstre. Mais on va le bouffer, hein, ce mode expert, on va le bouffer. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais comme Dark Souls, c'est Dark Souls 2, on le bouffera. Salut Jesse. D'ailleurs, faudrait peut-être que je monte ma vie là, non? Parce qu'on prend très très cher. Ouais, j'essaye, hein. Je réessaye de changer la catégorie. J'ai essayé tout à l'heure, ça ne marche pas. Ouais, ça charge et j'ai pas de résultat. C'est dommage, hein. Parce que si on pouvait changer la catégorie, on aurait déjà 4000 viewers. Ça va de soi. Le joueur français, mesdames et messieurs. The French Monster. Salut Feko. Ouais, de toute façon, on va encore jouer une petite demi-heure. On a le temps de faire deux shrines encore. Si on en trouve d'autres. Tout en continuant notre route vers Cocorico. Oui, puis à la base, j'étais parti pour autre chose, moi. Je veux le trésor du monsieur lambda là. Il pleut, là autre chose. Oh là 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 là. C'est pour moi ça. Ça crève. Oh, c'est des grenouilles vigueur en plus. Oh là là, c'est cheaté ça. Je crois que c'est le truc qui te permet d'avoir plus de vie quand tu l'utilises. Ça crève. Bonjour les enfants. Hop. Vigueur, je crois que c'est pour l'endurance. Ah, je suis pas sûr moi. Fais voir. C'est ouf. Grenouille vigueur, faites la cure pour obtenir un remède montant l'endurance au-delà du maximum. Ah non, oui, c'est l'endurance. C'est pas la vie.
Effectivement. Mon mauvais. La pêche à la bombe, largement sous-côté à mon avis. Ah, c'est efficace, on va dire. Sinon, il y a la pêche à la flèche électrique, mais... Non, alors par contre, c'est pas cool. C'est pas cool de faire apparaître la pluie comme par hasard quand je dois grimper un truc. C'est pas très la rigolade. C'est pas très la rigolade, là. Allez, la pluie, tu t'arrêtes. Stop. Ah, c'est chiant. C'est toujours aussi chiant. Ah non, là, on l'attendra pas, là. Non, on l'attendra jamais. C'est chiant. C'est un petit peu chiant. Je vais attendre 11h pour voir si... Parce que là, je vois qu'il y a du soleil en bas à droite. Salut, Mad Kink. Salut. Aïe. Il est juste en haut, là, le trésor. Ou alors, on peut peut-être contourner. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai vu un arbre bouger. Ah! Ah ah! Je le savais. Attendez, j'ai une idée. En attendant que la pluie passe. On va faire ce qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure. Ouh là là. Oh, il est pas content. Oh, il est pas content. Ah, il m'a entendu? Non, mais il y a un arbre, monsieur l'arbitre, entre lui et moi. Comment il a pu me voir? Monsieur l'arbitre. Ah, c'est là que tu te rends compte que le pouvoir de Révali serait très intéressant. Tiens, vous voyez, la caverne, elle est là, là. Je sais même plus ce qu'on y trouve. Je crois qu'on y trouve des armes assez fumées. Enfin, assez fumées, pas mal d'armes, du moins. Il y a toujours pas de Discord, Saven. Et je crois qu'il n'y en aura jamais, moi. Source, t'inquiète, c'est vrai. Ok, c'est bon, le soleil est là. Allez. D'habitude, j'adore la pluie, mais là, c'est bon. Chiant. Ah, je les ai fait fuir. Les buissons à la Horizon Zero Dawn qui te cachent malgré le fait que ça te recouvre même pas la moitié du corps. C'est le syndrome Assassin's Creed, ça. C'est vrai que ça m'a toujours fait rire. Ça t'a jamais hype de pouvoir jouer Bugs Bunny dans Multiversus? Si, si. Mais de ce que j'ai compris, c'était un peu le bordel, Multiversus, à base de gens qui te rejoignent alors que t'as pas voulu. C'était pas encore au point de ce que j'ai vu. Qui dit qu'il n'y a pas de Discord? Eh ouais, ça se trouve, seuls les élus sont au courant. On sait pas, hein. On ne sait pas, messieurs, dames. Alors... Ah oui, il y a des trucs là. Nul. Le Discord de Seven, c'est le One Piece. Exactement. Nul. Oh, il y a des truffes. Parfait ça. Ça, ça nous permettra de monter notre vie. Super le trésor, merci à tous. D'accord, bon. Très bien, très bien. Ah, là je suis d'accord. Je suis d'accord. Oh mais quel gâchis de dépenser tout ça, putain. Ah, j'ai mal. Alors, c'est pas exactement Nathaniel. Nathaniel, c'est l'épée longue de flamme.
Mais il y a l'idée. Il me faut Noya, hein. Il me faut Noya pour avoir plus d'armes. Écoutez, on va monter à Cocorico. Hein. On va aller à Cocorico. C'est Nathaniel Junior, donc, exactement. Faut voir si je peux changer la catégorie, je pense pas. Hein. Non, toujours pas. Je sais pas ce que c'est, si c'est un bug lié à Twitch ou à OBS. C'est dommage. Je vais aller à Cocorico pour monter ma vie. J'en ai bien besoin. Allez! Je ressemble à rien. Petit tonnerre. Enfin, petit tonnerre. Pas foufou niveau vigueur, mais bon, c'est pas grave. On aura le temps d'en récupérer d'autres. Allez, petit tonnerre, let's go. C'est gratos. Ah oui, c'est vrai que c'est le bordel ici. Ah, mais il y a d'autres chevaux ici. Oui, effectivement. Ah, ça sent le korogu là. Ça sent le korogu. Ça sent le korogu. Ah non, pas du tout. Nul. Autant en prendre un qui a la durabilité au max. XX Dark Horse 30XX. Moi je préfère petit tonnerre. Putain, c'est marrant, mais je me rappelle plus du tout ce qu'il y a à droite. Ah oui, alors déjà il y a des ennemis. Regardez cette maîtrise du gameplay. Il a fait partir tous les chevaux, sauf celui qui voulait. Regardez cette maîtrise du gameplay. Ouais, mais non, mais il l'a... Oh ! Petit con ! Oh, la maîtrise du gameplay. Bon, c'est pas celui que je voulais, mais bon. Est-ce qu'il est meilleur, lui ? Bon, on n'a pas commencé en douceur, toi et moi. Je t'ai envoyé une flèche dans le cul, mais c'était... C'est de l'amour. Là d'où je viens, c'est une tradition. C'est une parade nuptiale. Là d'où je viens, on envoie une flèche dans le cul de son partenaire et c'est une preuve d'amour. No fake. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors, est-ce qu'il est meilleur ? C'est la même merde. Pff, bon, tant qu'à faire, hein. Autant en avoir deux au cas où si l'autre crève. Un peu nul. Voilà. Petit tonnerre va faire une pause. On va jouer avec tu es nul. Je pense qu'on va pas. On va pas trop s'apprécier lui et moi. Calme-toi, calme-toi. Tout claquer le nom du cheval. Ah, ça c'est pas mal ça, tout claquer. Faut que je retienne. Attention, alerte. Attention. Attention, tu es nul. Attention. Il y a des ennemis ici maintenant, c'est nouveau. Alors, est-ce qu'on a fait tomber quelque chose?
Ah mais il est pas mort lui. Ah. Là il est mort. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est vraiment plus difficile le jeu en mode expert ou en vrai ça va? En vrai elle est beaucoup plus dure. Hier t'étais peut-être pas là mais j'ai vraiment galéré hier. C'était assez compliqué. Oula. Truc intéressant là. Ça c'est des flèches explosives. Très bien. Ah hier on a vraiment galéré pour le coup. Ok. Je ne sais pas c'est la base de quel clochard ici, mais en tout cas, on va tout lui voler. Comme des gros salauds. Et on lui vole le peu d'argent qu'il a, parfait. Je m'en fous. Je m'en fous. Bah un texte sur Breath of the Wild, ouais on en a déjà fait un. Mais il y en aura un sur le 2. C'est sûr. Ah ah. Ah ouais ce genre de mini-jeu là. Ça m'a pas manqué. Les épreuves du DLC en expert. Bah on testera mais il faudra vraiment qu'on y aille en mode surcheaté quoi. Genre avec un équipement qui te rajoute des dégâts, déjà. Et puis avec un maximum de cœur. Ah. Ah ah. Alors est-ce que si je le jette ça suffit ou... Non, absolument pas. Je vais y avoir la... Ça aurait été comique. Ah. Ah, je suis un peu d'aigle. Bon, GG. Je pensais pas que ça se briserait. Ça m'a bait. Ça m'a un peu décalé. Oh non, monsieur l'arbitre. Les épreuves de l'épée en expert. Ah ouais? On va tant souffrir que ça? Ça donne pas envie ce que vous me dites. Ça donne pas envie. Non, non, mais tu... À l'aide. Là, on n'a pas eu de chance. Ça joue au golf, ouais. On essaye, du moins. Ah, ce genre de mini-jeu, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On va essayer, là. Ça va être compliqué. Hein. Ah oui, non, mais là je suis avec un espadon. C'est trop fort. Je pense que un coup ça suffirait même. Va quand même pas falloir reset le truc. Un coup ça suffirait, je pense. Peut-être deux. Allez, deux. Non, un ça suffit. L'espadon c'est trop fort. Il tape trop fort l'espadon. Je vais essayer avec un coup. Allez, on va y arriver, let's go. Allez. Bon, bah décidément, on n'a pas de chat.
Et tout à l'heure, j'ai essayé d'envoyer à la main, ça n'a pas marché. Ouais, non, là, je l'attends pas d'ici. Je pense pas que je l'atteigne d'ici. C'est toujours les pires mini-jeux, ça. Hein. C'est toujours très compliqué. Allez, ça y va, là. Dommage. Bon. Tant pis. Plus de cailloux. Je repasserai ici. C'est pas un drame. Ah non, non, calmez-vous, les salfos. Calmez-vous. J'aimerais bien arriver à Cocorico avant la fin du live. Je réessaierai après-demain. Si j'y pense. Ah, le fameux Nouya. On l'adore, lui. Encore une étoile filante, hein. Décidément. Ah. Oh, putain. Oh putain! Désolé, je peux pas passer souvent, ce n'est pas grave. Merci à toi, Chronos, pour le cinquième mois, merci. Si, c'est très grave en fait, excuse-toi, oui. Tiens, tiens, tiens. On va s'en occuper, mec, t'inquiète pas. Oh, et en plus, c'est des beaucoup blins noirs. Bon, on va peut-être attendre la fin de la lune. On va se calmer. Parce que bon, si on se fait chier à battre au moins un mob et qu'il repop avec la lune, bon. Ah mais il y en a aussi là-bas. Enfin bon, quand t'as fait Majora's Mask, c'est pas cette lune-là qui va te faire flipper. On voit limite d'ici. Regardez comme c'est beau ce ciel. Du pipi de chat, moi je dis. Ah bah, comparé à la lune de Majora's Mask. Ouais, la lune de sang fait repop tous les mobs. Arrêtez de nous montrer des bocoblins rouges, bande d'arnaqueurs, y'en a pas, y'en a pas dans ce mode. Le plateau du prélude redevenu un enfer. Allez, let's go. Alors... Oh mais attendez, il fait nuit, c'est parfait ça. Ça, ça suffira ça. C'est parfait ça s'il fait nuit. C'est la fin d'haricots pour eux. Majora's Mask est le jeu le plus hard que j'ai fait en plus. Merci à toi Busy Cooper. Pour le prime. Parfait s'il fait nuit. Ça va pas être très épique mais bon. Ah. Ça c'est dommage ça. Ça c'est dommage. Il va m'envoyer la bombe dans la gueule. Allez-vous-en. Suppôt de Satan. Sinon, on refait dodo. Oh, il m'envoie des cailloux.
paquet d'un. Et merde. Bon, ça l'a défoncé. Et c'est déjà ça. Tout s'est passé comme prévu, hein, n'est-ce pas? Noya jouait déjà de ses maracas adorées quand il avait à peine 2 ans. Ah, c'est très bien, bonne info. Majora's Mask, pardon, mériterait d'être refait en HD. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il nous refasse Ocarina of Time et Majora's Mask en HD. Bon, après, Ocarina of Time, un jour, on aura un remake de fou, hein, c'est sûr et certain. Mes maracas, c'est bon, elles sont là, arrête de chialer. Salut Zelda is the girl. Allez, donne-moi des sacoches, donne-moi des poches. Il va la fermer sa gueule. Salut Onikaz. Est-ce que je peux encore améliorer une seule fois, s'il te plaît? Ah non, c'est que 2 fois, merde. Désolé, petite noisette. Ouais, enfin, reste tranquille. Petite noisette. Ah. Alors, d'habitude, Cocorico... Bon, là, c'est la fin du live, donc forcément, je vais y aller direct. Mais d'habitude, Cocorico, comme un con, je passe par le dessus. Là où vous voyez toutes les montagnes en haut, là. Parce que je crois qu'il y a 2-3 Korogus. En haut, et il y en a un là dans ce couloir. Ouais, ici. Bonjour monsieur. Seven, lui, rien qu'en parlant, normalement, il peut mettre des coups de pression, ça se voit. Ah, Noya et moi, on n'est pas potes. Calme-toi. C'est le seul Koru que je n'aime pas. Nice. Qui aime Noya aussi? Ah là. Il y a bien des mecs qui aiment Faye, donc pourquoi pas, hein. Tout est possible à partir de là. Ah, la musique est masterclass ici. Nous voilà rendus. J'ai combien de... Ah, j'en ai 9. J'ai 9 emblèmes. Je vais pas me demander de te soigner quand même. Ah non. Salut Marum. Mais ça me fait bizarre de rentrer par l'entrée finalement, parce que d'habitude je viens vraiment d'en haut là, via les montagnes. Non mais je sais où aller, j'ai mis d'accord, le jeu j'ai mis d'accord. Ok, allez, on va monter... De 2 cœurs, parce que là on prend vraiment cher. Oh, le framerate. Oh putain, ça fait mal. Ça nous fera du bien les 2 cœurs là.
Ça me trigger l'écart de cœur. Après ce qu'on a vécu sur Wind Waker là. Ça nous fera du bien ça, parfait. Bon bah écoutez, on aura un peu avancé sur Breath of the Wild. Content d'avoir fini Wind Waker. Moi je vais vous dire à après-demain. On est quel jour? On est lundi? Ouais. Donc je vais vous dire à mercredi 16h, même heure, hein, 15h30, 16h. Et on continuera Breath of the Wild. Merci d'avoir suivi Wind Waker. Ou Breath of the Wild. Prochain test en carton, c'est demain, sur Dora 3, je vous l'ai déjà dit. C'est évident. Bonne soirée les gars, à mercredi. Merci encore d'avoir été présent. Ah, alors ça fait du bien ça.